Et une carte Google Play d'une valeur de 8 473 € et 81 centimes est cachée dans cette vidéo. Soyez le premier à la retrouver. Et salut à tous les amis, c'est Ketchup. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Star Wars Battlefront 2. Ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu de vidéo sur ce jeu, tout simplement parce que ça fait longtemps et que j'avais un peu oublié que j'avais entamé un let's play dessus. Un let's play qui a été entamé il y a un épisode, il y a pour dire quasiment un an. Yeah. Il y a 10 mois, quasi jour pour jour. Voilà. Et donc, pour remédier à ça, je continue ce let's play. Donc là, je vais faire deux missions. Oui, ça, j'ai pas le droit de les mettre. Alors, voilà. Mais bon, je vais faire deux missions et on verra bien comment elles se déroulent. Alors, je ne vais pas parler. Attendez, on va écouter ce qu'il dit. C'était vrai pour les 500 000. Du mois de juin, on a passé tout notre temps dans les simulateurs pour se préparer au jour où il faudra affronter l'ennemi à bord de 1070. Et puis, ce jour est arrivé. La Confédération avait organisé l'enlèvement du chancelier Palpatine. En quittant Coruscant, ils étaient escortés par la flotte séparatiste. Ils ont écouté le dispositif de quelques pilotes qui nous poussaient. Alors les hommes de la 501e ont été réquisitionnés. Il fallait gagner du temps pour permettre que je vienne de Jedi de sauver le chancelier. Bon, alors je me permets, j'ai déplacé le micro, ça va faire beaucoup de bruit, voilà, ça fait beaucoup de bruit, génial, ça fait énormément de bruit, parce que ça serait coupé. Donc, je vais expliquer rapidement, en fait, il y a eu des mods qui ont été rajoutés, du coup, au niveau des armes, c'est changé. Donc, je pense que vous vous rappelez un petit peu de l'arme de poing qu'on a, donc le fusil blaster, qui est normalement équipé pour cette classe-là. Donc je mettrai la comparaison par rapport à l'autre arme. Ah, tais-toi. Je mettrai la comparaison par rapport à l'autre arme. Et vous allez voir, c'est pas la même chose. Alors je mettrai l'autre arme. Ce sera peut-être une image tirée d'un autre truc. Mais c'est vraiment pas la même chose. Autre chose, je comprends pas parce que là il parle en anglais. Voilà. Et en gros, normalement, il doit le dire en français, mais là, pour des raisons obscures, il me le dit en anglais, écoutez. Pourtant, donc là, c'est la voix qui commande, me le dit tout en anglais. Ah, génial, le missile. Ça passe pas très loin. Ah, ça fait mal. Ça commence bien. Ça commence très bien. Bon bah on est reparti. Donc là ça a été, il y a beaucoup de textures qui ont été modifiées, notamment pour certains vaisseaux qui ont été modifiés aussi au niveau des textures. Les droïdes vautours là, ils ont été modifiés justement. Ah mais waouh, mais comment il manipule lui. Ah mais oui, il faut bien qu'il y ait des missiles qui marquent de tous les côtés. Combien ils l'ont mis, mais pourquoi ils mettent le mec le plus loin, quoi. On entend aussi qu'il y a des très légers bugs sons, hein, des fois. Mais regardez comme ils volent, quoi. C'est n'importe quoi. C'est insupportable, ça. En plus, j'ai un truc dans la gorge, je me gratte, hein. Ouais, c'est pas très intéressant. Genre. Voilà. Hop, c'est comment éviter. Alors, je suis désolé, avec la souris, je fais beaucoup de bruit. Parce que j'ai pas beaucoup d'espace pour la manipuler. Du coup, et ben, je suis obligé de la bouger. En plus, c'est pas genre une souris qui est bien discrète. Hein. Elle fait énormément de bruit. Mais non, mais je rêve. Ah, mais non! Et ces missiles qui sont impossibles, quasi impossibles d'esquiver. Bon, bah on est reparti, on va devoir tuer un seul dernier. Et ça fait trois fois qu'on essaye là. Tchou tchou.
Ouais, hop, c'est pas toi qui... Ouais, c'est ce truc-là. Pouh, voilà, on fait le kamikaze. Allez. Saoule, là. Je suis obligé de faire ça. En plus, des fois, la souris, elle se bloque. Enfin, c'est n'importe quoi. Ça arrive qu'elle se bloque. C'est pas tout le temps encore heureux, mais... Oh non. J'ai loupé les deux. Hop, et... boum. Bon, heureusement que je connais par cœur les trucs parce que je suis pas assez fort en anglais pour comprendre. Alors. Ça fait pas mal le truc. J'étais en train de passer à autre chose, j'étais en train de faire autre chose en même temps. Et... Parce que du coup, je me suis fait juste de rester en ligne droite à faire les mêmes boutons, quoi. Du coup, je bougeais pas, je regardais autre part et bam! Mais un petit bug de texture là, ça fait peut-être une belle ligne droite quoi. Ouais. Ça va juste s'en débarrasser maintenant, tant qu'à faire. Oh non! Ça m'a pris de trucs qui... C'est un truc qui a carrément appuyé sur mes... Il a pris cher. Attends, on va finir le pont. Voilà, ça c'est fait. Vous allez comprendre pourquoi. Hop, voilà, on va détruire des moments. Oui, oui, je dois utiliser les roquettes pour faire sauter un truc. Mais où? Ah, sauter. Bon, bah voilà. On fait sauter ce truc. Faut que je le finisse à la grenade en plus. C'est une blague. On va le finir à l'arrache. Hein. Oh, mais non. On y est presque au moins. Non! Mais quel bon. Mais il le répare, mais c'est quoi qu'il l'a réparé là? Y'a rien ici. Comment ça se fait qu'il s'est réparé? Voilà. Now, grab a fighter and destroy the bridge of the enemy cruiser. Well done, gents. With flying like that, the Republic is well on its way to... Voilà. Et là, on a fini. En fait, il m'a demandé de détruire le pont tout de suite après. Ça, et c'est pour ça que je l'ai détruit tout de suite. Comme ça, hop, on fait sauter le pont, on fait péter le truc à l'intérieur. Et voilà. Et il nous parle en français, lui. Général Kenobi, Skywalker, on en profitait pour sauver le chancelier. Alors ça, le passage qui est là, c'est un passage qui est dans le... qui est sur une... Voilà, qui est sur une autre map. En fait, c'est pas du tout la même map. C'est très amusant. Du coup, c'est n'importe quoi. Alors,
Bon, bah, du coup, je pense qu'il nous reste assez de temps pour faire la mission suivante, ce qui est très bien. Qui a d'ailleurs, dans la version avec les mods, A, un passage rajouté. Vous allez entendre. Alors ça, on passe parce que, voilà. Hein, il suffit de voir le film pour voir cet extrait. C'est bon. Bah, il va parler, lui. On a souvent dit que la 501ème est celle qui m'a le plus battu. Sauf que Lucia, les séparatistes ont débarqué et qu'ils possession dans ce foutu bordel. Ils défiaient la République de venir me chercher. Alors, forcément, on y est allé. Qu'est-ce qui nous attendait là-bas? Des virus carnivores, des prédateurs nocturnes. Un bon truc qui me file encore la chair de pourri, vous pensez? Alors, la texture qu'on vient de voir là avec le gars qui est avec son pistolet. C'est une texture qui est plus utilisable avec les mods, parce que la texture est 100 fois mieux avec les mods. Regardez ceux-là avec les lance roquettes. Ils ne sont pas comme ça avec les mods. Et je trouve ça stylé quand même. Ça fait vraiment un décalage entre les trucs. C'est très drôle. Regardez, vous allez voir, il est là, soldat noir. C'est pas du tout la même chose. Voilà, là on va l'entendre hurler le gars. Et justement, c'est ça que je parle qui a été rajouté. C'est ça. Voilà, donc ça a été rajouté avec les mods. Oh, la saloperie, tiens. Oh non. Donc, tu viens dessus, hop. Regarde, viens. Saleté. Hop. On va pas me suivre ici. Il reste un petit peu. Oh putain. Saleté. Faut que tu tournes. Hein. J'ai plus de balles, j'ai plus rien, c'est pas vrai. Ah mais merde, j'y peux rien. J'arrive quand même à looter un sac de mun sans rien, ce qui est relativement fort quoi. Clear et 64 personnes. Oh, putain, mais j'arrive pas à viser dans ce rocket. Prend tellement de temps. Tiens, bombe. Ah oh, mais tu me saoules toi. Eh hey, vas-y. Rêve. Mais ça saoule ça. Ah, j'ai tué un de mes coéquipiers. Là, je vais récupérer ça. Là, il est où le poste? Il est... Ah non, je suis coincé dans la texture. Voilà. Alors, au passage, j'attribue le poste ici. Donc après celle-ci, bah justement, elle va vite à faire en plus. Ça va, c'est deux qui sont rapides à faire, c'est pour ça qu'il y en a deux sur cet épisode. Il y en aura qui seront plus longues et qui auront un épisode consacré pour elle. Bon, il suffit d'attendre quelques minutes, hein, celle-ci, il suffit d'attendre 3 minutes. Il est où? Bon alors, donc on les voit passer au-dessus, c'est amusant, on doit tenir ce truc-là en entier. C'est pas comme s'il avait pas beaucoup de vie déjà. Donc on récupère tout parce qu'on est méchant. Alors lui, j'aime bien aussi, sa texture est aussi modifiée. Alors attendez. Là, lui, sa texture est complètement modifiée, il est censé tenir la batteuse sur son épaule. Est très amusant, je trouve. Franchement, ça fait beaucoup plus que comme dans la série The Clone Wars, mais voilà. Ah oui, c'est fait tuer des gars. Oui, c'est vrai, blablabla.
Ouais, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et voilà. Et c'est fini. Voilà, je profite, je prends le Jedi. Hop, on va chercher tout ce qu'il nous faut. On lance ton sabre. Hop là, triple kill. Qui se balade. On va la ramener au truc. J'ai oublié le nom là, le STTT. Et on va détruire les tours qui sont. Tout en se méfiant. Ouais, les virus attaquent les tours, c'est bien. Pas les virus, mais. Le truc chelou là. Parasite, le box, comme tu veux. Il y a le truc qui est en train de le détruire quand même. Ah ouais, quand même. Je me suis pris un petit coup là. Je suis mort instantanément. Oui, mais ça fait plutôt mal quand même. On va se faire spawn sur le truc directement. Hop, on rentre dedans. Ça va être mon conducteur de toute manière. On est à chaque fois tout seul. J'ai pas compris pourquoi il montait jamais dedans. Ça va être phrase beaucoup trop longue. Bon, on va la battre. Piu-piu. Piu-piu. Voilà. Voilà, on détruit ce truc-là. Ah, tu prends une plombe à avancer. Bon, là, on ne voit pas les flèches, mais heureusement qu'il y a les flèches. Hein. Merci, les flèches. Plus qu'une ou deux. Deux, c'est ça. C'est pas grave, voilà. On va dire qu'il en reste plus qu'une. La flèche indiquant carrément sa position. Voilà, c'est la dernière. Je suis considéré comme un héros, j'ai rien foutu. Je tire juste dans le vide. Enfin non, dans le tas, ça passe tout seul. Et c'est fini. Voilà. Et bah super fin de mission. Voilà. Alors je suis un peu. Je suis pas en forme, là, je suis fatigué. Donc je suis désolé, c'est pas ultra intensif de ouf ce gameplay. Mais voilà, donc il est fini. Enfin, cet épisode est fini, donc ça va être le numéro 2 normalement. Sur ce, ouais, j'espère quand même que. Ah, ta gueule, toi. J'espère quand même que cet épisode vous aura plu, malgré le fait que je sois un petit peu fatigué. Hein. Mais sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!